Les progrès de la marine de guerre 1914-1918. L'une des causes principales de la Première Guerre mondiale a été la course à l'armement naval entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et pourtant, ironiquement, la marine de guerre n'a joué qu'un rôle très limité dans la résolution du conflit. Au début du XXe siècle, tous les principaux pays investirent des sommes considérables pour construire des navires de surface toujours plus puissants. Mais il n'y eut qu'une seule bataille d'importance. Elle se déroula au Jutland au large de la Norvège en 1916. Son résultat fut indécis et ses pertes importantes de part et d'autre. En fait, aucune des flottes de surface n'a été capable d'établir sa suprématie en haute mer. Et ce fut une toute nouvelle arme navale qui joua un rôle très important dans la guerre maritime, le sous-marin. Pendant la première partie de la guerre, les sous-marins allemands sont parvenus à affamer pratiquement la Grande-Bretagne et elle a poussé à se retirer du conflit. Mais leurs actions ont été aussi largement responsables de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 avec des conséquences désastreuses pour l'Allemagne. Une autre arme importante est apparue pendant la Première Guerre mondiale, même si son utilisation resta limitée. Ce fut l'aviation dans un environnement maritime. Les premiers avions furent d'abord utilisés pour accomplir des vols de reconnaissance en mer. Mais dès la fin de la guerre, on assista aux premiers atterrissages par appontement sur des porte-avions expérimentaux. 25 ans plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions vont remplacer les puissants cuirassés en tant que vaisseaux amiraux des flottes autour desquelles viendront se rassembler tous les navires de l'escadre. Au début du XXe siècle, il paraissait inconcevable que la Grande-Bretagne puisse s'engager dans une course aux armements avec l'Allemagne. Après tout, l'empereur Guillaume II d'Allemagne était le neveu du roi Édouard VII d'Angleterre. Il parlait couramment l'anglais, il avait régulièrement participé en tant que yachtman aux fameuses régates de Cowes. Il avait également été nommé amiral honoraire de la Royal Navy, même s'il n'avait reçu cette distinction que parce qu'il s'était plaint que les officiers britanniques qu'il rencontrait ne le saluaient jamais de la même manière. Cette distinction purement honorifique était habituellement accordée aux principaux représentants des dynasties étrangères comme un marque de respect de l'amirauté britannique. La puissance maritime définissait le statut mondial d'une nation. Et l'Empire britannique tenait, sans contestation aucune, la première place en termes de taille et de puissance. Même si la Grande-Bretagne préférait résoudre les conflits par la diplomatie
plutôt que par des menaces ou des actions militaires. Il était toujours rassurant de savoir que ses efforts diplomatiques étaient solidement appuyés sur la marine la plus puissante du monde. L'Allemagne était une nouvelle puissance au plan mondial. Ce n'est en effet que dans les 40 dernières années que, sous l'impulsion de Bismarck, le chancelier de fer, la Prusse avait réussi à réunir sous son contrôle les nombreux royaumes et principautés qui constituaient l'Europe centrale. Au début du XXe siècle, l'Allemagne avait réussi à conquérir un petit empire. Mais Guillaume II est devenu jaloux de la Royal Navy et cette jalousie aboutit à l'un des conflits les plus catastrophiques que le monde ait jamais connu. Cette obsession fut entretenue par son ministre des Affaires maritimes, Alfred von Tirpitz. Tirpitz pensait qu'il pourrait utiliser la prodigieuse puissance industrielle de l'Allemagne du début du XXe siècle pour créer une flotte de haute mer capable d'affronter la Royal Navy. Peut-être pas sur toutes les mers du globe, mais au moins pour dominer la Manche et l'océan Atlantique. Ce plan était typique de la mégalomanie de Guillaume II. En effet, géographiquement, l'Allemagne était entourée de terre et ses seuls ports sont sur la mer Baltique. Or, pour sortir de la mer Baltique et gagner l'océan, il fallait pouvoir passer les eaux peu profondes au large des côtes danoises. Si le roi Édouard VII avait vécu plus longtemps, on peut penser que la Première Guerre mondiale aurait pu être évitée, parce qu'il avait une grande influence sur son neveu. Mais Édouard VII est mort en 1911 et George V lui a succédé. Et Guillaume II fut libre de donner libre cours sans contrôle à tous ses fantasmes et ses prétentions. Il est heureux que les Britanniques aient eu au même moment, en la personne de l'amiral Jackie Fisher, un contrepoids énergique et charismatique à Tirpitz. Fisher s'est vite rendu compte de l'importance qu'il y avait à maintenir à tout prix la supériorité existante de la Royal Navy, en utilisant également les énormes ressources industrielles de la Grande-Bretagne. Fisher était un adepte de la théorie des gros canons. Le concept était basé sur l'idée qu'il valait mieux tirer de gros obus le plus loin possible pour réduire le risque de se faire atteindre par l'ennemi, tout en lui infligeant des dégâts considérables. En février 1906, le roi Édouard VII avait inauguré le premier des nouveaux navires qui illustrait cette théorie, le HMS Dreadnought. D'un seul coup, tous les autres navires de guerre se retrouvèrent dépassés. Le Dreadnought était armé de 10 canons de 300 mm montés sur des tourelles doubles. Mais ce qui rendait le Dreadnought révolutionnaire, c'était aussi son système de propulsion. Ses turbines à vapeur faisaient tourner 4 arbres d'hélices qui lui permettaient d'atteindre une vitesse de 21 nœuds. Mieux encore, le Dreadnought avait été construit en moins d'un an aux arsenaux de la Royal Navy à Portsmouth. Son impact fut si fort que le terme de Dreadnought devint le nom générique pour désigner les grands croiseurs de bataille qui furent lancés par toutes les marines du monde pendant les dernières années précédant le conflit. En 1906, la marine de guerre allemande n'était que la cinquième du monde. En 1914, elle était parvenue au second rang. En 1909, c'est avec une grande inquiétude que le gouvernement britannique a appris que les Allemands avaient décidé de bâtir 10 dreadnoughts à opposer aux 8 que les Britanniques comptaient posséder. Les navires britanniques étaient traditionnellement plus lourdement cuirassés et armés en artillerie que les bateaux allemands. En 1912, on décida de construire des croiseurs de bataille plus légers et donc moins bien protégés, mais aussi puissamment armés et surtout très rapides. Ce furent les croiseurs de la classe de Queen Elizabeth. Le Queen Elizabeth était armé de 8 canons de 375, capable d'envoyer près de 7000 kg d'obus en une seule bordée. «
Ce furent probablement les meilleurs navires de surface de la Première Guerre mondiale et on s'en servit même pendant la Seconde, 25 ans plus tard. Au début de la guerre, en août 14, les Britanniques avaient réussi à construire 38 dreadnoughts et croiseurs de bataille. Les Allemands, eux, n'en comptaient que 24. Mais pendant toute la guerre, les Allemands n'osèrent jamais risquer leur flotte toute neuve dans un combat de grande envergure contre la Royal Navy. Après seulement quelques semaines, en 1914, des éléments de la Royal Navy attaquèrent un escadron de navires allemands près de leur base de Heligoland. L'escadre britannique, qui comptait 2 croiseurs légers et 31 destroyers, se trouva rapidement en difficulté face à des renforts allemands beaucoup plus importants. Prévenu par radio, l'amiral Beatty, dont la flotte se trouvait à une quarantaine de kilomètres au nord, arriva très vite sur zone. Il détruisit 3 navires et en endommagea 3 autres. Grâce à la brume, les Allemands purent s'enfuir rapidement, mais ils avaient perdu 1200 hommes quand les Britanniques n'eurent que 35 tués. À la suite de cette action, la réputation d'amiral valeureux de Beatty fut encore renforcée. Mais un peu plus tard, les choses tournèrent mal pour la Royal Navy. Depuis le début de la guerre, l'amiral Maximilian von Spee, qui était à la tête de l'escadre allemande de l'Extrême-Orient en Asie, avait détruit de nombreux bateaux marchands dans l'hémisphère sud. Sa flotte était composée de bateaux modernes et efficaces et comptait notamment 2 croiseurs de ligne, le Scharnhorst, le Gneisenau et 3 croiseurs légers. Le 1er novembre 1914, au large de la côte du Chili à Cornell, ils engagèrent le combat contre l'escadron naval de l'amiral Sir Christopher Craddock, qui fut anéanti. Cependant, grâce à l'interception de conversations radio, l'amirauté apprit que Spee comptait maintenant attaquer les nombreux navires marchands qui sillonnaient les routes maritimes au large des côtes d'Amérique du Sud. On dépêcha une nouvelle escadre commandée par Sir Frederick Sturdy. Elle comptait 2 croiseurs de bataille rapides tout neufs, l'Invincible et l'Inflexible, et 6 autres croiseurs plus anciens. La flotte devait ravitailler en charbon à Port Stanley dans les îles Malouines. Spee, de son côté, décida de se diriger rapidement vers Port Stanley avec l'intention de détruire la station de radio britannique ainsi que le dépôt de combustible pour le ravitaillement des bateaux qui s'y trouvaient. Lorsque les deux flottes se rencontrèrent, Spee, qui ne connaissait pas la force de l'escadre britannique, fut submergé par sa puissance de feu. Les pertes britanniques s'établirent à 10 morts pendant la bataille et aucun des navires britanniques ne fut sérieusement endommagé. Du côté allemand, par contre, 2200 marins périrent, soit pendant l'engagement, soit par noyade. Seul un croiseur léger parvint à échapper à l'anéantissement, la vengeance fut totale. La première conséquence de ce succès fait qu'il n'y eut plus aucune attaque en haute mer de navires de commerce par les Allemands dans les eaux sud-américaines. Mais il n'y avait toujours pas eu d'engagement sérieux entre les deux flottes principales en mer du Nord. Le 16 décembre, un escadron d'attaque commandé par Franz von Ipper bombarda les ports britanniques fortifiés de Scarborough, Whitby, Hartlepool. L'attaque dura à peine une heure, 137 civils furent tués et près de 600 blessés. Ipper y gagna le surnom de « tueur de bébés ». L'opinion publique britannique fut extrêmement choquée par la passivité de la Royal Navy qui non seulement n'était pas parvenue à empêcher l'attaque, mais laissant en plus les Allemands s'enfuir à cause de problèmes techniques de transmission. Ce fut le brillant David Beatty qui se chargea d'assurer la revanche de la Royal Navy. Encouragé par son succès, Hipper préparait une nouvelle attaque sur les côtes anglaises. Mais une fois encore, les échanges radiophoniques allemands furent interceptés par les Britanniques. L'amiral Beatty se mit en route avec une flotte composée de 5 croiseurs de bataille assistés par 6 croiseurs légers. Il renforça son escadre d'autres croiseurs légers et destroyers venus de Harwich. Il savait que Hipper n'avait que 3 croiseurs de bataille. Beatty fit route vers le sud et engagea les forces allemandes à 7h20 le matin du 24 janvier.
Quand il s'aperçut la disparité des forces en sa défaveur, Hipper, qui croyait que les croiseurs britanniques étaient relativement lents, essaya de s'échapper. Mais en fait, les navires britanniques étaient bien plus rapides que leurs équivalents allemands. Dès 9h du matin, la flotte allemande était à la portée des canons britanniques et à 9h30, la bataille commença. Il paraissait évident que les Britanniques allaient obtenir un succès important. Mais Beatty avait peur des champs de mines et quand on lui rapporta qu'on avait également aperçu des sous-marins allemands, il décida d'abandonner le combat en permettant à l'escadre de Hipper de s'échapper. La bataille avortée avait coûté la vie à 15 marins britanniques. Une fois encore, la flotte de surface de la Royal Navy n'avait pas réussi à gagner une victoire décisive. En février, une flotte comprenant des navires anglais et français se mit en route vers le détroit des Dardanelles en Turquie. L'objectif était de capturer Constantinople pour libérer le passage des navires qui transportaient le matériel destiné aux forces russes qui avaient beaucoup de difficultés contre les Allemands. Un autre bénéfice attendu était d'obtenir le retrait de guerre de l'Empire ottoman. L'opération était conçue au départ pour n'être qu'une opération navale par laquelle les fortifications turques qui gardaient les détroits seraient anéanties sous une pluie d'obus tirée par des navires des forces alliées. Le détroit des Dardanelles mesurait 65 km en longueur, 7 km en largeur en moyenne. Il y avait aussi une partie plus étroite où les rives étaient séparées l'une de l'autre de 1600 mètres et cette partie était surplombée par des falaises abruptes et fortement défendues. De plus, des courants capricieux rendaient la navigation délicate pendant la traversée. Winston Churchill, qui était alors ministre de la Marine, considérait que c'était une opportunité idéale pour ouvrir à peu de frais un second front. Le plan prévoyait de neutraliser l'artillerie située à l'extérieur des murs des fortifications par un tir de barrage nourri à partir des navires quand ils se trouveraient encore hors d'atteinte des canons turcs. Puis la flotte alliée s'avancerait dans le détroit jusqu'au point le plus étroit pour permettre à l'artillerie de moyenne portée de détruire les batteries disposées sur les rives. Pendant ce temps-là, les dragueurs de mines nettoieraient les champs de mines qui piégeaient probablement cette partie du détroit et la phase finale de l'attaque prévoyait la prise et la destruction des forts par les fusiliers marins. Mais le plan comportait de nombreuses incertitudes. Même si le bombardement naval s'avérait un succès, le manque de troupes en nombre suffisant empêcherait les alliés de sécuriser les rivages du détroit. En l'absence de tout soutien logistique, il rendrait nécessaire le retrait d'une partie importante de la flotte pour se ravitailler en combustible, mission, nourriture et équipement. Le 10 février, le bombardement naval commença. L'escadre franco-anglaise comprenait le tout nouveau croiseur de bataille Queen Elizabeth, trois autres croiseurs de bataille récents, accompagnés de 16 autres croiseurs de l'époque antérieure au lancement du Dreadnought, dont 4 navires français, 4 croiseurs légers, 18 destroyers, 6 sous-marins, 21 dragueurs de mines et le porte-avions l'Ark Royal. Malgré un déluge de feux tirés à longue distance sur les forteresses et redoutes du Cap Elès de Coomkeel par Britanniques et Français, l'attaque s'avère un échec du fait de l'excellente organisation de la défense turque et d'une qualité de tir insuffisante des canons alliés. Par manque d'informations, les alliés ne se rendirent pas compte que les dommages infligés aux défenses turques étaient en fait beaucoup plus graves qu'ils ne le croyaient. De plus, les défenseurs avaient pratiquement épuisé toutes leurs munitions. Un nouveau bombardement fut tiré de plus près la semaine suivante après que les opérations aient été interrompues du fait du mauvais temps pendant plusieurs jours. Il n'y eut pas plus de succès. Même si les redoutes furent prises par les fusiliers marins, les alliés ne purent réduire au silence les 24 batteries d'artillerie mobile turques qui surplombaient le détroit et dont le feu précis protégeait de manière imparable le système élaboré de champs de mines installés pour bloquer le passage des navires. Si l'on ne parvenait pas à neutraliser les champs de mines, la flotte ne pouvait plus progresser et si on ne pouvait pas détruire les batteries d'artillerie mobile, les champs de mines étaient imprenables. Cependant, l'échec relatif des deux premiers bombardements navals n'empêcha pas Churchill d'ordonner une nouvelle attaque pour forcer les détroits et détruire les champs de mines. L'attaque eut bien lieu le 18 mars 1915 et se traduisit par un échec cuisant. Pendant ce temps-là, à Londres, le ministère de la guerre avait ordonné la constitution d'un corps expéditionnaire
sous les ordres de Sir Ian Hamilton. Ce qui devait être une opération à haut rendement devenait un investissement lourd en hommes et en matériel. Toute cette aventure se termina de façon désastreuse en décembre 1915. On peut dire d'ailleurs que la partie la plus réussie était la retraite et l'évacuation par la mer du corps expéditionnaire avec la perte en tout et pour tout d'un seul homme. Pendant ce temps-là, suite à la défaite coûteuse du Dogger Bank, l'empereur d'Allemagne va ordonner que la flotte de haute mer allemande ne tente aucune nouvelle opération sans sa permission express. En 1916, la flotte de haute mer allemande reçut un nouveau commandant en la personne de Reinhard Scheer. Il était convaincu que le système de codage des transmissions allemandes était enfin sûr. Il se mit donc à préparer de nouvelles expéditions visant les côtes britanniques. Comme la grande flotte britannique était ancrée à Scapa Flow, loin dans le nord de l'Écosse, il était certain de réussir. Mais ces codes étaient déjà déchiffrés et les Britanniques n'ignoraient rien de ce qu'ils préparaient. Cher savait que l'escadre des croiseurs de bataille de Beatty est au mouillage dans le Firth of Forth. À la fin, mais il apparia avec un plan pour attirer Beatty dans un piège. Hipper devait prendre la mer avant la flotte principale avec une escadre de croiseurs. Une fois repéré par Beatty, Hipper devait faire demi-tour et se laisser poursuivre par les navires britanniques pour les attirer à portée de canon de la flotte de haute mer allemande. Malheureusement pour lui, ce que Scheer ne savait pas, c'est que plus de 150 navires de la grande flotte britannique, sous les ordres de Lord Jellicoe, s'étaient eux aussi mis en route pour suivre à distance l'escadre de Beatty en mer du Nord. Les Britanniques s'étaient mis en chasse de la grande flotte allemande pour engager une bataille navale formidable comme le monde n'en avait jamais connu auparavant. Pour les conservateurs qui dominaient la majorité britannique, c'était tout ce pour quoi ils avaient été entraînés, c'était leur raison d'être. L'opinion britannique, elle aussi, avait besoin d'une victoire spectaculaire après tant d'affrontements passés sans succès réellement décisif. Les deux flottes auraient pu se manquer dans les vastes espaces de la mer du Nord. Mais c'est un navire de commerce qui se trouvait lui aussi dans la parage des deux flottes qui fournit l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Les croiseurs allemands de Hipper s'approchèrent du navire de commerce pour le contrôler et se trouvèrent ainsi à portée des canons de Beatty qui le repéra. L'escadre allemand vira vers le sud et Beatty ordonne à un navire de son escadre de le suivre. Malheureusement, une mauvaise transmission d'ordre amena la plupart des bateaux à partir dans la mauvaise direction. Il fallut bien 10 minutes pour les ramener dans la bonne direction. Une fois au contact de la flotte principale allemande, Beatty fit demi-tour et repartit vers le nord en direction de Jellicoe. Malheureusement, deux de ses bateaux furent coulés par les Allemands, l'Infatigable et le Queen Mary, avec de nombreuses pertes humaines. C'était des croiseurs de la nouvelle génération qui étaient dotés d'une cuirasse plus légère, notamment sur le pont afin d'économiser le poids et les rendre plus rapides. Ils étaient plus vulnérables, notamment lorsqu'un obus les atteignait en plongeant la verticale. Dans ce cas, le projectile pouvait transpercer les ponts et exploser dans les soutes à munitions. Lorsqu'on a appris à Beatty la perte de ces deux unités, il s'écria « Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec nos nouveaux bateaux aujourd'hui ». Scheer ne s'attendait vraiment pas à rencontrer la grande flotte anglaise de Jellicoe sur sa route. Il se rendit compte qu'il n'aurait aucune chance d'un affrontement et décida de se replier vers le nord en direction de la Baltique. C'était une stratégie risquée. Il avait espéré se glisser derrière la flotte de Jellicoe. Mais celui-ci, qui s'inquiétait de la présence possible de sous-marins allemands, avait ralenti considérablement. Scheer se trouva donc devoir croiser la route de la grande flotte par son travers tribord. En 10 minutes, son bateau fut atteint plus de 20 fois par les obus anglais, alors qu'il ne put lui-même réussir que deux coups au but. Une fois encore, Scheer décida de fuir alors que les tirs continuaient dans la nuit tombante.
En s'échappant dans l'obscurité, Scheer fut aidé par la décision de Jellicoe de faire lui aussi demi-tour par peur des sous-marins, craignant que Scheer n'essaye de l'attirer dans un piège pour le torpiller. Les Allemands prétendirent que cette bataille avait tourné à leur avantage puisque les Britanniques avaient perdu plus de bateaux de marins. Mais de nombreux navires allemands avaient été gravement endommagés par la canonnade des croiseurs de bataille britanniques. Dès le mois de juin suivant, Jellicoe put confirmer que la grande flotte britannique était de nouveau pleinement opérationnelle. La flotte de haute mer allemande, par contre, ne sortit pratiquement plus des ports où elle s'était réfugiée pour être remise en état. Cela dura pratiquement jusqu'à la fin de la guerre et cette arme construite à un coût gigantesque était devenue impuissante. En Grande-Bretagne, les célébrations furent pour le moins discrètes. On avait espéré la plus grande victoire depuis Trafalgar et elle n'avait pas eu lieu. Bien sûr, il y eut des enquêtes, des mises en cause. Jellicoe joua le rôle du fusible et fut finalement limogé pour être remplacé par Beatty. Très rapidement, les flottes de surface de tous les belligérants commencèrent à utiliser l'aviation pour l'observation et la reconnaissance. La puissance et la portée accrue des canons qui armaient la nouvelle génération des croiseurs posait le problème de repérer aussi exactement que possible la position et la distance où se trouvait l'ennemi. La grande époque où les bateaux lâchaient leur bordée à quelques mètres les uns des autres était définitivement révolue. Dorénavant, les navires pouvaient se protéger par la distance d'où ils tiraient, à plusieurs kilomètres de leur cible. Mais bien sûr, plus on était loin, et moins on pouvait voir l'ennemi et bien régler son tir. C'est pourquoi l'apparition de l'avion moins de 10 ans avant le déclenchement de la guerre avait ouvert de nouvelles possibilités d'observation. Les ballons dirigeables étaient une des solutions possibles et la marine allemande choisit d'utiliser les énormes zeppelins. Les dirigeables pouvaient non seulement accomplir des missions de reconnaissance et d'observation, mais aussi permettre de bombarder les villes de Grande-Bretagne en étendant de cette manière la portée des frappes de la flotte de surface. Mais les dirigeables étaient lents et vulnérables. Ils étaient également difficiles à piloter en cas de mauvais temps. C'est la raison pour laquelle la Royal Navy commença très tôt des essais avec des avions à aile fixe. L'une des solutions était de munir l'avion de flotteurs, puis d'utiliser une grue pour le descendre au niveau de la mer et le remonter à son retour. Cependant, ce système posait le problème de devoir arrêter le navire, soit pour mettre l'avion à l'eau, soit encore pour le remonter, ce qui pouvait rendre le bateau plus vulnérable à une attaque de sous-marin. De plus, le poids et la taille des flotteurs, le peu de puissance des moteurs de l'époque, en faisaient des avions beaucoup plus lents et difficiles à piloter. Une autre solution fut essayée, on construisit un pont de bois au-dessus de l'une des tourelles d'artillerie du navire. Il était juste assez long pour permettre à un petit avion de décoller. Au moment du décollage, on tournait la tourelle face au vent et l'avion dont le moteur était lancé au maximum de ses possibilités parvenait à décoller. Mais l'avion, une fois lancé, sa mission accomplie, devait pouvoir continuer à voler pour atterrir sur un aéroport ami ou revenir faire un amerrissage forcé dans l'eau près du navire attendre qu'on vienne le récupérer.
Dès 1915, on commençait à expérimenter le torpillage par avion. Le potentiel d'une attaque contre des bateaux ennemis par des appareils équipés était évident. Mais là encore, pour être pleinement efficace, il fallait que l'avion puisse revenir atterrir sur le navire. On décida de modifier un croiseur léger, le Furieux, de telle sorte qu'il ait un pont plat à l'avant. En 1916, le lieutenant Denning fut le premier pilote à ponter sur un navire avec un avion au retour d'une mission. Mais on s'aperçut très vite que la superstructure du bateau crée des problèmes de turbulence et de visibilité à cause de la fumée. À son deuxième appontage, l'avion de Denning éclata un pneu de train d'atterrissage. Il bascula par-dessus bord et Denning se noya avant qu'on puisse le secourir. Il fallait aller plus loin et construire un pont complètement plat au-dessus d'une coque conventionnelle. On réquisitionna un paquebot en construction en Italie, on le dota d'un pont plat sur toute sa longueur, rebaptisé l'Argus, ce premier porte-avions fut en service jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'aviation navale se développa beaucoup plus lentement aux États-Unis et ce n'est qu'en 1920 que le premier porte-avions américain, le Langley, fut inauguré. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le porte-avions remplaça le croiseur de bataille en tant que navire amiral de la flotte. Aujourd'hui, ils sont devenus le navire principal autour duquel les escadres sont formées. Si la flotte de surface allemande s'avéra un échec coûteux, il n'en alla pas de même des sous-marins qui jouaient un rôle particulièrement important. On raconte qu'un amiral britannique déclare un jour que les sous-marins étaient des machines sournoises et indignes de l'Angleterre. Même si cette citation est probablement inventée, elle résume bien le sentiment qui domina l'utilisation du sous-marin par les Britanniques et son développement limité. L'amirauté n'était pas vraiment convaincue du potentiel offensif des sous-marins. Il en résulta que l'utilisation de la flotte sous-marine britannique fut limitée à un rôle principalement défensif de ses eaux territoriales. Les premiers sous-marins qui ont été construits au début des années 1900 étaient des engins rudimentaires propulsés par des moteurs à pétrole nauséabonds, potentiellement très dangereux. L'introduction de la classe D permit deux améliorations substantielles. L'adoption d'un moteur diesel et la capacité de transporter plus de torpilles. Les sous-marins de la classe D étaient dotés d'une coque dont le réservoir avait la forme d'une selle de cheval, ce qui signifiait que les réservoirs de ballast étaient situés de chaque côté à l'extérieur du sous-marin. Cela améliorait fortement la stabilité du bateau et l'équipage avait beaucoup plus d'espace que dans les sous-marins précédents de classe A à C, où les réservoirs de ballast étaient en fait construits à l'intérieur de la coque. Les sous-marins de la classe D n'avaient besoin que d'une minute pour être en mesure d'utiliser leur moteur à pleine charge, ce qui leur permettait de plonger plus rapidement en cas d'alerte. Il y eut ensuite les sous-marins de la classe E, qui étaient très similaires à ceux de la classe D. Ils étaient armés d'un canon de 12 livres, en plus de tubes lance-torpilles. Ce sont les sous-marins de la classe E qui furent utilisés le plus souvent par les Britanniques pendant la guerre. Les Allemands de leur côté s'attachèrent beaucoup plus aux capacités offensives des sous-marins et construisirent une flotte de bateaux à long rayon d'action. Leurs U-boats étaient rapides. En surface, ils dépassaient les 17 nœuds à l'heure, ce qui était beaucoup plus rapide que n'importe quel bateau de commerce. Lorsqu'ils étaient en plongée, ils allaient encore à 7 nœuds, ce qui était à peu près la vitesse de leur proie. Ils étaient également équipés d'un canon de 88 mm situé sur le pont. En général, les sous-marins préféraient utiliser leurs canons pour attaquer les navires marchands. D'abord parce que les torpilles étaient chères et qu'un sous-marin ne pouvait en emporter qu'un nombre limité. Au commencement de la guerre, chacun des belligérants entreprit le blocus des ports ennemis pour tenter d'empêcher l'importation de matières premières et des fournitures essentielles à l'effort de guerre. En pratique, cela revenait à obliger les bateaux marchands qui naviguaient sous pavillon neutre à rebrousser chemin.
C'était la politique des Britanniques quand ils ne confisquaient pas le chargement. Les Allemands adoptèrent de leur côté une attitude beaucoup plus agressive. La mission de leurs sous-marins était tout simplement de couler les bateaux de commerce. Au début de la guerre, cela fut fait dans le respect des règles historiques du droit maritime. Si le bateau arraisonné n'avait pas transmis de signal de détresse, l'équipage était invité à monter dans les chaloupes de sauvetage et leur cargo était coulé à coups de canon pour éviter de gâcher une torpille. Le capitaine du bateau coulé était invité à monter sur le sous-marin en tant que prisonnier de guerre, pendant que son équipage devait se débrouiller dans les petites chaloupes et sur des radeaux de sauvetage. Les marins de la marine marchande étaient considérés comme des civils. À partir du moment où leur bateau avait été coulé, ils n'étaient plus payés. Ils avaient donc la consolation douteuse de savoir que leur combat pour survivre dans leur radeau de sauvetage était considéré comme des vacances par leurs employeurs. Mais les marchandises continuaient à arriver. Les armateurs des pays neufs paraissaient craindre beaucoup plus le blocus britannique que celui des Allemands, même si la Grande-Bretagne traversait une période de restriction. Cela rendit les Allemands furieux, qui décidèrent d'attaquer n'importe quel bateau sans avertissement et dans une guerre totale. Cette nouvelle politique ne pouvait que les amener à une confrontation avec les États-Unis d'Amérique. Le 7 mai 1915, les relations entre Américains et Allemands devinrent particulièrement tendues quand un nouveau torpilla le paquebot Lusitania, le fleuron de la compagnie Cunard. Lors de la semaine précédente, le paquebot avait fait escale à New York pour préparer sa traversée. L'ambassade allemande avait fait paraître une annonce dans la presse, juste à côté de la publicité qui annonçait le départ du navire, et elle indiquait clairement qu'il était dangereux de voyager sur le Lusitania parce que c'était une cible potentielle des sous-marins allemands. Plus tard, les Allemands affirmèrent que le paquebot transportait dans ses cales une cargaison secrète de munitions destinée aux alliés sur le front de l'Ouest. Jusque-là, l'opinion américaine n'avait pas choisi entre l'un ou l'autre des camps en conflit. De nombreux Américains reprochaient aux Britanniques leur arrogance colonialiste qui était symbolisée par leur suprématie navale. Une fois le navire chargé, les passagers embarqués, le Lusitania appareilla dans la joie et la bonne humeur. Tout l'équipage était persuadé que la vitesse du paquebot lui permettrait d'échapper à n'importe quel U-boat. À son bord, les passagers pouvaient profiter de toute l'opulence de ces transatlantiques construits juste avant la guerre pendant les années dorées du transport maritime. Mais au large de Kinsale en Irlande, tapis en plongée périscopique, un sous-marin allemand veillait. Une seule torpille qui fut suivie d'une deuxième explosion mystérieuse envoya le Lusitania par le fond en moins de 20 minutes. Il y eut plus de 1200 morts, dont de nombreux Américains connus et influents. À la suite de cette agression, l'opinion américaine devint de plus en plus pro-britannique. Un sentiment qui se renforçait chaque fois qu'on apprenait qu'un nouveau navire avait été coulé. Cependant, et malgré la détérioration de ses relations avec l'Amérique, l'Allemagne était déterminée à poursuivre sa guerre sous-marine totale. Les Allemands étaient en effet convaincus qu'ils parviendraient à terme à empêcher toute traversée de l'océan Atlantique. À long terme, ils n'avaient probablement pas tort, mais dès le 6 avril 1917, les États-Unis d'Amérique déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Ce même mois, les sous-marins allemands coulèrent plus d'un million de tonnes de bateaux marchands qui transportaient des troupes, de la nourriture et des munitions vers l'Angleterre. Un bateau sur quatre qui quittait les ports anglais finissait par le fond. À la fin de ce mois d'avril, il ne restait en Grande-Bretagne que 6 semaines de réserve de blé. Jusque-là, les bateaux de commerce avaient navigué de manière isolée, ce qui les avait rendus très vulnérables à l'attaque d'un seul sous-marin. On avait essayé un certain nombre de procédés pour repousser les attaques, comme par exemple de dissimuler un puissant canon sur un bateau piège,
Dès que le sous-marin avait fait surface, les servants du canon se mettaient en action et endommageaient l'U-boat ou le contraignaient à s'enfuir. On les appelait des Q-ships, mais leur succès fut limité du fait du grand nombre de navires qui sillonnaient les routes maritimes. On avait également développé la technologie des grenades sous-marines. On pouvait régler à quelle profondeur elles devaient exploser après avoir localisé le sous-marin par le bruit de ses moteurs grâce à des micros de plus en plus sensibles. Fin 1917, le Premier ministre Lloyd George imposa une nouvelle technique de convoyage à l'amirauté qu'il trouvait jusque-là particulièrement inefficace. Les bateaux de transport devraient dorénavant obligatoirement naviguer en convoi protégé par des destroyers. Lord Jellicoe s'opposa à ce plan, ce qui finit par lui coûter sa place. Il fut remplacé par Beatty dont l'agressivité était appréciée par l'opinion publique. Le nouveau système de convoyage fut un remarquable succès, même si cela ne suffisait pas à assurer la victoire finale de la Grande-Bretagne, qui allait encore dépendre des combats féroces et incertains. Au début de 1918, des centaines de milliers de soldats américains commencèrent à embarquer sur les navires pour arriver en Europe au titre de l'effort de guerre américain. Leur présence eut un impact très important, non pas tellement pour ce qu'ils accomplirent sur les champs de bataille, mais surtout par le nombre qui suggérait la disponibilité de réserves inépuisables. Il y avait aussi le succès du blocus britannique qui se faisait cruellement sentir. Le peuple allemand manquait de nombreux produits de première nécessité parce que les meilleurs étaient réservés aux soldats sur le front. Il était particulièrement démoralisant pour les soldats allemands rentrés en permission chez eux de se rendre compte à quel point leur famille souffrait des privations dues à la guerre. Finalement, au mois d'octobre 1918, les marins allemands de Kiel apprirent que leur chef se proposait de faire une dernière sortie avec la grande flotte de haute mer pour sauver l'honneur. C'était un plan suicidaire, les marins refusèrent d'appareiller. Même si le plan fut discrètement abandonné, on entendit parler dans toute l'Allemagne. Il y eut des désordres qu'il fallut réprimer. En effet, les idées bolcheviques qui avaient conquis la Russie progressaient dans les esprits et nombreux étaient ceux qui rêvaient d'étendre la révolution à l'Allemagne. L'empereur Guillaume fut contraint d'abdiquer et se réfugia en Hollande pour le restant de ses jours. La volonté de continuer à se battre qui faisait la force de l'armée allemande s'effondra finalement et le 11 novembre 1918 à 11h du matin, l'armistice fut signé. Dans les mois qui suivirent, les détails du traité de capitulation furent déterminés dans une série de réunions entre les alliés.
Ces derniers, et tout particulièrement les Français, insistèrent pour que les capacités militaires de l'Allemagne soient démantelées. La marine de guerre qui avait été construite à un coût exorbitant fut l'abandon le plus coûteux. Le traité spécifiait notamment que l'intégralité de la flotte sous-marine allemande et la plus grande partie de ses navires de surface seraient désarmés et rassemblés à Scapa Flow. Le 21 juin 1919, les équipages allemands décidèrent de saborder leur navire. C'est donc de leurs propres mains que les Allemands ont réussi là où la Royal Navy avait échoué. Ils coulèrent la totalité de la flotte de haute mer allemande.